Bonjour, je m'appelle Delphine Haut, je suis députée de Paris et membre de la Commission des Affaires étrangères. Le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, a lancé 6 groupes de travail sur la réforme de l'Assemblée nationale. Il y a 2 volets sur cette réforme. Le premier volet, c'est plutôt la réforme institutionnelle, c'est comment mieux faire fonctionner l'Assemblée nationale, le processus législatif, le statut des députés, le statut des collaborateurs. Donc c'est plutôt la mécanique interne pour qu'elle soit plus efficace. Et le second volet, c'est l'ouverture de l'Assemblée nationale à la société civile et la participation des citoyens au processus législatif. Pour ma part, je suis rapporteure du groupe de travail Ouverture à la société civile et rayonnement scientifique et culturel de l'Assemblée nationale. Et notre première feuille de route, c'est comment mieux valoriser, mieux faire connaître le travail du parlementaire. Pour ce faire, nous auditionnons des chercheurs, des universitaires, des parlementaires, mais aussi des plateformes citoyennes, comme par exemple nosdéputés.fr, Projet Arcadie, Acropolis. Notre objectif, c'est de réfléchir avec ces plateformes citoyennes à comment mieux faire connaître, mieux valoriser ce travail parlementaire qui est trop souvent méconnu de nos concitoyens et mal compris. Et en décembre, nous soumettrons nos premières propositions au président de l'Assemblée nationale.